Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons regarder le solde chez Normal. Non, je plaisante. Nous allons commencer avec des produits chez Normal avec ce qu'il y a pour le moment. Donc, vous avez pas mal de choses. Je vais essayer de vous expliquer quelques produits. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ça, c'est trop bon. C'est une très bonne marque. En plus, je trouve que chez Normal, en général, ils ont de très bonnes marques. Que ce soit pour, voilà, comme vous avez pu voir, Colgate, vous avez des Always pour les femmes, pour les serviettes hygiéniques et même le make-up, vous avez du make-up Révolution, vous avez L'Oréal et vous avez Maybelline aussi qui sont de très bonnes marques. Vraiment, Révolution, je connaissais pas et moi j'adore, ça me pique beaucoup moins aux yeux, j'avais pas vu qu'il y avait des Capri Sun aussi. Entre-temps, je vais vous faire, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter que je n'ai pas fait au début de la vidéo. Nous partons sinon sur 22 minutes ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, j'ai testé les pinceaux pour les cheveux, pour, comment ça s'appelle? Pour mettre de la couleur dans mes cheveux. Une coloration, pardon, excusez-moi pour le terme, je me suis trompée. Et pour faire une coloration, et je vous le conseille, il est vraiment bien. Vous avez aussi de la crème solaire, vous avez des brumes des brumes pour le corps, je crois ce que j'ai vu il y a 2 secondes. Vous avez aussi, voilà, encore tout ce qui est le kit crème solaire. Vous avez celui-ci, je sais plus trop qu'est-ce que c'était comme crème solaire, en tout cas indice 30. Et vous avez aussi la marque Ivy Aya que je vous conseille, mais à 1000%. Cette marque, je l'ai découverte avec Normal. Et j'ai adoré, vous avez la marque Sense aussi, à l'aloe vera, vous avez des masques. J'ai pris aussi ça pour cet été, vu que là, la semaine prochaine, dans une semaine pile, je pars au Maroc. Donc j'ai décidé de prendre des choses à l'aloe vera pour vous dire, vu que le soleil est assez fort là-bas, pour vous dire si c'est pas mal ou pas dans une autre vidéo un peu plus tard. Vous avez aussi tout ce qui est produit pour la pousse de cheveux. C'est des petites, je crois que j'ai déjà vu ça sur les réseaux, ces sortes de bonbons en fait que vous mangez. Et à ce qui paraît, ça a très bon goût pour que la pousse des cheveux soit beaucoup mieux et que les cheveux soient plus fortifiants. Vous avez des masques pour les cheveux ainsi que des brosses pour faire des massages dans la tête. Je vous le conseille aussi. J'en ai une depuis un petit moment et vraiment, je suis choquée du résultat. Ça amasse bien la tête. Vous avez aussi tout ce qui est barrettes, moi des petites barrettes comme ça qui sont très tendance, j'aime trop. Là vous avez des couleurs pâles, très tendance, tout ce qui est pour les... Là c'est des brumes, si je me souviens bien, ce sont des brumes pour le corps. Je pense qu'on peut mettre de l'eau aussi pour l'utiliser pour se rafraîchir. Franchement ça peut être double utilité ou bien des brumes pour mettre pour faire des soins pour les cheveux capillaires, tout ça c'est à vous de voir. Vous avez tout ce qui est soins capillaires aussi. Ça m'amuse en fait, des fois ça m'arrive de ranger les rayons quand je vois que qu'il y en a un qui est tombé. J'aime bien, je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps, mais ça doit être un toc, je pense. Vous avez Head and Shoulders, si je me souviens bien, c'est ça. Peut-être pas cette marque là, mais j'ai eu l'impression que c'était cette marque, donc je suis désolée si c'est pas bonne la marque que je pensais. Sinon, si je passe assez vite sur certaines marques, c'est tout à fait normal. Parce que en fait, je vais vous montrer des shorts où vous aurez plus de détails aussi avec. Vous avez, voilà, ces petites brosses pour les cheveux, pour la tête, comme je vous disais. Là, c'est une sorte, si je me souviens bien, moi, je disais ça il y a longtemps. C'est une poudre, en fait, qui fait gonfler les cheveux. Pourquoi pas essayer plus tard? Là, ça peut être bien pratique si vous êtes étudiante et que vous voulez ranger par exemple vos serviettes hygiéniques ou bien votre make-up dans votre sac à main ou sac à dos de cours. Ça peut être un petit rangement facile et simple. Moi j'en ai pris un il y a longtemps et c'est surtout pour tout ce qui est médicaments, maux de tête. Genre, moi je suis une trousse à pharmacie vivante. Je pense que c'est le fait d'avoir travaillé avec des enfants. Ça m'a permis en fait de toujours avoir tout ce qu'il me faut avec moi. Vous avez des gourdes aussi à 5,70. Avant, nous avions des brosses et des soins pour les cheveux. Vous avez même la marque Nivea. Ouais. Vous avez bien lu Mixa, Nivea. Franchement, ce sont de très bonnes marques. Moi, vraiment,
normal me choque par rapport au prix et la qualité des produits, je vous les conseille. Et moi, là, vraiment, celle que je préfère le plus. Ça, j'ai pris pour la douche. C'est un peu petit, je pensais pas que c'était si petit que ça, mais c'est bien pratique. Même la petite boîte à bijoux, là, pour partir en vacances, c'est pépite, je vous le dis, c'est la patate aux pépites. Parce qu'en fait, elle est bien pratique, elle est simple et à ranger. Après, vous avez beaucoup de produits de tendance, c'est dommage que je ne vous ai pas montré un peu mieux, mais vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo sans doute lundi ou mardi de la semaine prochaine et je pense que vous allez l'adorer, il n'y a pas d'autre mot, vous allez savoir pourquoi. Je vais vous faire un petit vlog par rapport à ça. C'est une expérience extraordinaire que je vais vivre la semaine prochaine et vous aurez donc plus facilement les produits. Et je vous expliquerai aussi mieux les choses, j'espère en tout cas. C'est mon but. Et ce sera sans doute des petites vidéos de 8 minutes, 10 minutes, un peu changeantes. Là, nous avions un pommeau de douche, sinon, excusez-moi, je m'éparpille un petit peu des fois dans les vidéos. Nous avons aussi des soins, ou bien c'est des fois des sels de bain, ou des sels pour comme une sorte de gommage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, il y a très longtemps, j'ai acheté ça. Je crois que c'était même à Yves Rocher, à l'époque où il n'y avait pas trop de magasins là où je vivais. Bah, j'allais à Yves Rocher, je m'achetais des soins gommage et ça faisait un effet sel en fait. Là, vous avez vraiment tout ce qui est make-up. Je vous conseille, moi j'aime bien le make-up Révolution, ou bien les vernis à ongles, il y en a un, il coûte un peu cher, je suis tout à fait d'accord, mais franchement, la qualité là, par exemple, j'en ai sur mes ongles, je suis en train de regarder, et elle tient bien, et elle s'effrite pas trop non plus, et vous allez faire la vaisselle, tout ça, le séchage est très rapide, je vous dirai un peu plus tard. Là, vous avez tout ce qui est le make-up, comme je vous avais pu voir, je suis désolée, je pense que vous pouvez voir. Si jamais vous avez une question ou autre sur un produit, n'hésitez pas à me le dire, moi je connais à peu près maintenant qu'est-ce qu'ils vendent comme produit, donc je peux mieux vous les conseiller au maximum en tout cas. Vous avez tout ce qui est L'Oréal aussi pour les anti-cernes. Moi, j'utilise en tout cas celui que je viens de prendre anti-cernes. Là, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres de Maybelline Paris. Franchement, c'est des bonbons quand vous les mettez sur vos lèvres. C'est tout doux, c'est tout lisse. Là, c'est même anti-cernes que je prends aussi. Là, j'étais en train de regarder en fonction de ma peau lequel était le mieux. Et je pense que celui-ci est pas mal. Après, vous pouvez. Je me souviens que j'avais testé au niveau du poignet. Et en fait, au niveau du poignet, vous pouvez mieux voir la couleur que vous avez besoin pour votre peau. Celle qui est le plus adaptée en fait. Là, vous avez aussi des highlighters. Vous en avez pas mal à 6,70 avec. J'arrivais pas à le mettre, ça m'énervait. Avec différentes coloris, comme vous pouvez voir. Oui, je suis en train de galérer. Vous avez des pinceaux pour l'highlighter. Des paillettes aussi. J'étais en train de mélanger pour voir si ça rendait autre chose ou pas. Et non. Tout ce qui est rouge à lèvres, L'Oréal, comme je vous disais tout à l'heure, ceux-là, ils sont vraiment. Ils ont une texture vraiment très agréable. Moi, je vous dis, là où j'achète maintenant mon make-up, c'est chez Normal. Je vous le valide. Pourtant, je suis pas très fan du make-up. J'ai pas trop aimé ces produits-là. En fait, c'est pour faire pulper les lèvres. Et en fait, moi, ça m'a un peu brûlé la lèvre. Donc, je suis un peu. Tout petit peu déçu par rapport à ce produit-là. Après, je pense que c'est ma peau, c'est mes lèvres qui n'ont pas bien réagi. Je pense que peut-être que d'autres personnes, ça fonctionnera très bien. Là, ce que là, j'étais en train de regarder, c'était plus tout ce qui est pour le gloss. Vous avez des bronzants aussi, à ce que je vois. Vous avez aussi pour les cils. Vraiment, j'ai hâte de vous faire la vidéo de la semaine prochaine. Vous allez l'adorer, je pense. Je vais mettre du temps à la faire, celle-là, vraiment, je veux qu'elle soit parfaite. Vous avez aussi tout ce qui est mascara, les mascaras, je vous les conseille. Vous avez aussi, si je me souviens bien, ça, c'est des teintes pour les sourcils. Ou des soins, je pense que c'est soins ou teintes. Il va falloir vraiment que je vous fasse beaucoup plus doucement les vidéos, mais le problème, si je fais trop doucement. Ça va me prendre 50 minutes, mais bon, après si vous voulez 50 minutes,
N'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai. Là, je vais vous le tester aussi dans une vidéo, dans pas longtemps, l'highlighter. C'est pour faire le contour des pommettes, des choses comme ça. Moi, j'adore l'utiliser en tout cas pour ce style-là. J'en avais acheté un autre il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, la marque Révolution, si je me souviens bien. Là, c'est W7. C'est un... Ah, si je me... Oui, c'est un gommage pour les lèvres au sucre. Je l'ai pris pour tester. Les lingettes aussi démaquillantes peuvent être très très bien quand vous partez en vacances. Ce que je vous disais comme vernis à ongles, je vous conseille celui-ci. Attendez, je l'ai juste à côté de moi comme ça. Ça s'appelle Nikin et c'est vegan, donc je vous les conseille. Si vous aimez plus tout ce qui est pour porter les faux ongles, achetez Royal. Je crois que c'est la marque Royal. Et vous pouvez acheter des faux ongles. Et en fait, c'est des gommettes. C'est des ouais, gommettes autocollants que vous mettez sur vos ongles et après vous ajoutez votre faux ongle dessus et c'est impeccable. Ça tient super bien. Je vous ai fait un test aussi avec dans une autre vidéo que je vais vous poster d'ici la fin des vacances. Comme je vous disais que je vais tourner vers la fin des vacances, là vous aviez des jeux. Vous avez aussi. J'avais pas vu, mais les macaroni cheese, je savais très bien que j'avais vu quelque part. Et là, j'ai adoré aussi, juste au-dessus, c'est pour votre téléphone, pour que si vous passez une journée en ami ou en famille, que personne n'ait son téléphone, vous mettez dedans dans une boîte, comme ça, tranquille, personne ne va l'utiliser. Vous avez aussi ce produit-là qui est juste à côté en rose pour déboucher vos canalisations. Je vous le conseille aussi, je l'ai testé et je l'ai validé. Je vous le montrerai aussi dans une autre, dans la vidéo de crash test. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'aime bien sortir de ma zone de confort de temps en temps. Là, tout ce qui est produit aussi intime pour les femmes, pour tout ce qui est règles, etc. J'ai adoré, j'ai testé les bandes pour au niveau du dos et du ventre, celles qui sont juste à côté. Là, c'est les lingettes intimes que j'ai pris aussi. J'ai aussi pris un gel nettoyant intime pour tester. J'avais envie de tester vu que j'en avais plus. Je me suis dit, depuis un moment, je vois cette gamme-là, je veux la tester. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Normal, c'est que vous avez tellement de gammes complètement différentes. Là, je pense que c'est des nouveautés. Vous avez même. J'ai vu aussi qu'il y avait. Là, c'est une crème pour le corps. J'ai vu dans des vidéos que certaines personnes avaient des mousses pour se laver de Ivy Aya. J'espère que je la trouverai un de ces quatre chez Normal. Parce que j'ai vraiment envie de la tester. Parce que je teste déjà leurs produits. Là, vous voyez toutes les gammes que vous voyez en dessous. Je suis en train de les tester. Et je suis impressionnée de la qualité pour le prix que vous le payez. Ma peau, par exemple, le soin pour le visage, elle a complètement changé. Elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus moins brillante, très douce. J'adore, je l'utilise tous les soirs, ainsi que le sérum. Je nettoie aussi. J'ai pris des lingettes quand je vais partir la semaine prochaine. En plus, ces petites crèmes, vous pouvez les mettre facilement dans votre valise, ça prend pas trop de place. Vous avez des brumes et aussi les masques pour le visage, je vous les conseille. En fait, je vous conseille beaucoup de choses, j'ai l'impression. Mais vraiment, la marque Ivy Aya, moi, j'ai adoré. J'adore aussi ce style-là pour mettre autour des poignets. Là, j'ai vu qu'il y en avait deux qui partaient, les pauvres. J'en ai fait tomber un. Et donc, en fait, c'est pour mettre au niveau des poignets. Moi, je l'utilise quand je mets de la crème ou autre pour pas que ça me touche trop les bras ou autre. Ou même des fois, quand je mets de l'eau, ça dégouline de partout. Donc, je fais attention par rapport à ça. Ça, c'est des. Ça, en général, je pense que c'est une gamme qui reste longtemps parce que je vois ça depuis le début. En tout cas, depuis que je suis à Poitiers. Depuis que. Pardon. Que celui qui a ouvert à Poitiers, je le vois. Il y a beaucoup pour le cou. En fait, c'était rafraîchissant, on va dire. Et il y en a pour le cou. Vous avez aussi pour votre peau du visage. Vous avez pas mal d'ustensiles assez sympas. Je ne sais pas comment décrire vraiment si c'est ustensile ou autre. Mais en tout cas, c'est vraiment bien pour la peau. J'ai acheté aussi des bandes rafraîchissantes pour au niveau du. Soit c'est soit au front, soit au niveau des poignets. Parfait. Vraiment, j'ai des migraines et tout. Moi, ça me calme mes migraines, en fait, le froid. Donc, ça m'a fait vraiment du bien et ça passe au fur et à mesure. Et même quand j'ai encore mal, je fais ça. Après, ce que j'adore, c'est que c'est fait par couleur. Et je trouve que par couleur, ça donne envie d'acheter. Là, vous avez tout ce qui est gamme voyage. Vous avez même pour ranger vos brosses à dents. Vous avez une trousse
tomates trousse banane, je dirais. Vous avez un lisseur, le lisseur, je l'ai testé, j'ai adoré, franchement, pour 9,99, je crois que c'est 9,99. Il est vraiment bien, il n'y a pas de souci à avoir avec. Après, vous avez tout ce qui est crème, vous avez aussi des boîtes pilules. Quand vous partez, pilule, je veux dire pas les pilules pour les femmes, mais en général, pour tout ce qui est médicaments et autres. Vous avez les Ivia aussi en miniature pour partir en vacances. Je pense que je vais en prendre certaines avant de partir, comme ça m'évite de prendre pour 3 semaines, de prendre des gros tubes et que ça prenne beaucoup trop de place dans la valise. Donc voilà. Et je vais essayer, comme je vous disais, vous faire un peu mieux les vidéos, prendre plus de temps. Mais dans certaines vidéos, en fait, vous avez déjà les produits que je vous ai montrés. Je vais essayer de vous mettre en haut les vidéos où il y a les produits que je viens de vous montrer aussi, que j'ai montré plus facilement. Après, là, ça doit être une nouvelle gamme. Je ne me souviens pas avoir vu cette gamme. Là, ce sont des nouveaux parfums. Donc de la marque Born. Dreamer, vous avez BS, vous avez aussi des trousses de toilettes, vous avez déodorant, parfum, vous avez ouais pas mal de parfums, c'est pour ça que je suis passée assez vite. Moi je sais que, après je pense que c'est une erreur de ma part aussi, le fait que moi je n'aime pas forcément, j'aime bien le parfum, mais pas trop de parfum, donc c'est pour ça que des fois je passe, et peut-être que c'est vraiment une erreur de ma part et que je devrais plus m'attarder sur ces petites choses-là que d'autres. Là, vous avez vraiment le rayon enfant aussi. Vous avez des lunettes de soleil avec la trousse. Pour ranger les lunettes de soleil à 9,20 € si votre enfant n'a pas besoin de correction. Là, je me souviens plus du tout. Qu'est-ce qu'on dirait un pansement, mais... Ah non, c'est un peigne à poux. C'est bon. Genre, je fais le jeu des devinettes. Des fois, en fait, quand je fais l'audio, la vision est très petite. Donc, c'est compliqué pour moi de voir les produits des fois. Donc, là, j'ai agrandi au maximum pour essayer de vous expliquer. Là, vous avez tout ce qui est Pink. The Pink, c'est la marque qui est assez tendance actuellement. Vous avez aussi pour nettoyer la gazinière. Tout ça, moi, j'ai testé et je valide. Même les produits. Où il y a Stockholm, Paris, etc. Moi, je vous les conseille aussi. J'ai testé, si je me souviens bien, celui pour se laver les mains à la fleur de cerisier. J'ai adoré. J'ai acheté des petites balles pour le chat aussi. Vous avez un rayon pour les animaux, des crottes, des sacs à crottes. Donc, vraiment, il y a pas mal de petites choses, vraiment. Après, moi, là, je vous ai montré assez rapidement parce que c'est le rayon homme. Après, s'il y a des hommes qui me suivent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez savoir certains produits. Ça me dérange, mais en aucun cas, comme ça, je peux vous faire juste une mini vidéo avec les produits de chez Normal pour les hommes. Vous avez aussi des bons produits pour lavage de la bouche, pour avoir une odeur buccale beaucoup mieux. Dentifrice. Dinosaures, je crois que ça, les dinosaures, c'était pour porte-manteau surtout. Vous avez tout ce qu'il y a à manger. Quand je vous dis, c'est par coloris, vraiment. Vous pouvez trouver de la nourriture, là, comme vous avez pu voir, avec du dentifrice. C'est vraiment ouf. J'ai testé aussi, c'est celui que je viens de prendre pour dépoussiérer la maison. Il est top, j'adore. Vraiment, je pensais pas que la qualité aurait été aussi bien. Là, c'est un peigne à poux électrique et vous pouvez l'utiliser aussi. Si j'ai un bon souvenir pour votre animal, là on tourne un petit peu. Là, ce sont des gants de toilette. Je suis allée trop vite. Franchement, je pense que je vais faire des photos maintenant à chaque fois pour chaque produit pour que je m'en souvienne. Vous avez des gourdes, vous avez tout ce qui est rayon sport. À un moment donné, ils avaient des protéines. J'en ai acheté. Mon conjoint a validé les protéines de. Là que j'avais acheté chez Normal, donc c'est super pour moi. Vous avez voilà tout ce qui est après. Ça, c'est une bonne marque aussi. C'est si je me souviens bien, c'est de la même marque que le produit que je vous ai conseillé tout à l'heure pour déboucher vos canalisations. À côté, vous avez des sacs aussi pour les odeurs. Et je vous le conseille parce que moi j'en ai pris à la fraise et ça sent vraiment la fraise. Ça sent très bon pour la poubelle. Là, c'est tout ce qui est jeux enfants. Et vous avez comme des Tamagotchi.
Avouez, ça vous rappelle votre enfance. J'en ai pris pour moi et une amie. J'ai oublié de leur demander si elles avaient adoré ou pas le Tamagotchi. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. J'attends de vous faire une petite vidéo vite faite avec. Ça, c'est super bien. C'est en fait des petites tablettes où vous pouvez dessiner, écrire. Et après, vous pouvez effacer. En fait, ça peut être pratique pour les enfants pour faire les choses à l'infini. Ou bien si vous faites des notes ou autre, vous notez et après ça peut être. Moi je pense que je vais l'utiliser pour les cours. Là vous avez des bubble tea, des mini bubble tea porte-clés à 2 euros, des boîtes repas pour faire des glaces aussi. Là c'est tout ce qui est kawaii, mignon. Vous avez des soins pour vos mains, si je me souviens bien, les mains et après une lime à ongles. Vous aviez des trousses aussi, je suis désolée, il y a eu un raccord un peu étrange là pour ce coup-ci. Ce coup-là. Vous avez tout ce qui est déodorisant, nettoyant pour la maison. Vraiment, franchement, c'est normal, vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez. Même si je suis passée assez vite, vous voyez, il y a des marques genre Vanish. Vous avez le L aussi pour par exemple, défroisser vos vêtements. Je l'ai testé pour vous. Je vais vous le montrer dans une vidéo avec une chemise qui est froissée. J'ai validé le résultat. Vous avez même pour la machine à laver, j'ai acheté aussi pour nettoyer le tambour de la machine. Donc il faut que je teste ça. Vous avez du produit pour nettoyer votre vaisselle aussi. La marque Stockholm. En fait, je ne connais pas vraiment cette marque. Mais en fait, vous avez les pays différents. Stockholm, Paris, pardon. Paris, vous avez Londres. Vous avez... J'ai un doute s'il n'y a pas Copenhague. J'ai un doute. Hein. Vraiment, je le mets entre guillemets. Je suis même pas sûre que ce soit vrai. Après, vous avez les boîtes repas. Vous avez tout ce qui est barbe à papa, nourriture. J'aime trop ce magasin, je crois. Et franchement, je pourrais y passer ma vie. Et j'ai trop hâte à la semaine prochaine de faire cette expérience que je vais vous présenter dans un vlog aussi. Je pense que je ferai la vidéo et après je reviendrai sur mon expérience en vlog à discuter. De toute façon, la vidéo va être bientôt terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et là, juste à côté, il y a des trucs pour les cours, des fluos, des crayons, etc., des stylos aussi, des cahiers. Donc sinon, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu et les boissons sont trop bonnes aussi. Vous allez voir pourquoi. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos et dites-moi le produit que vous auriez aimé acheter. Allez, je vous laisse ici. Salut, salut et surtout prenez soin de vous et des autres.